Dans le cadre de la sécurité routière, le contrôle technique des véhicules et motos immatriculés circulant sur le territoire national a été effectué et totalise 16 410 certificats délivrés. 325 véhicules de l'État ont été assurés pour l'année 2019. Au niveau de l'agrément de nouvelles agences, deux agences et une autre école ont été agréées au cours de ce premier trimestre. La modernisation du système de contrôle technique et l'octroi des autres documents de transport par un système informatisé est en phase d'installation des équipements pour son opérationnalisation. Dans le secteur aérien, pour l'assistance des avions au sol, 426 vols ont été assistés et 543,822 tonnes ont été enregistrées au niveau de la gestion des frets, import-export et poste. Quant aux mouvements commerciaux et non commerciaux d'avions, atterrissage et décollage, pour ce premier trimestre, on a enregistré un total de 1086 mouvements d'avions avec à bord 33 177 passagers à l'arrivée contre 28 169 passagers au départ. Quant à la construction de l'aérodrome de Kabamba-Ngozi, le processus d'indemnisation de la population occupant ce site est en cours. Le montant total pour finaliser le paiement est de 666 285 975 francs.